C'est parti. Bonsoir, compagnons. Lecture numéro 4, suite de la lecture numéro 3. Donc, les lectures radar en direct. Oui, lecture radar en direct. Et sur le thème de... Stratégie sanitaire et théorie complotiste. Oui, l'instrumentalisation de politique de la thématique virologie. Donc tu filmes, tu prends le texte. Oui, vas-y. Au début du mois de mai, la cour de la 8e circonscription a rendu une décision verbale à 5 voix contre 4, selon laquelle elle ne réexaminerait pas l'affaire. Les Américains sont maintenant dans une situation où la FDA autorise la commercialisation des médicaments à prendre en cas d'attaque bactériologique, chimique ou radiologique, sans que leur efficacité ait été testée sur l'homme. En vertu des lois fédérales et de celles des États, ces derniers sont susceptibles d'arrêter, de mettre en examen et d'emprisonner des personnes qui refuseraient de prendre des traitements spécifiques à la suite d'une attaque bactériologique, chimique ou radiologique. Et une cour d'appel a décidé qu'il est parfaitement légal qu'un individu prenne des médicaments de force alors qu'il se trouve sous la garde d'une institution gouvernementale. Le contexte, piqûre de rappel, c'est les États-Unis, hein, et l'actualité de maintenant, le Canada sert de laboratoire et une situ, une péto, une tempo. Fin de parenthèse. D'autres développements inquiétants qui portent la marque de l'agenda côté ténèbres, entre guillemets, de l'Empire, ont été rapportés par Kelia Ramarez, une journaliste d'investigation et productrice radio en ce qui concerne les affaires publiques. Elle nous a ici donné la permission de reproduire l'article suivant, qui est paru sur le site internet de l'Institute for Research of Globalization, Mondialization, entre parenthèses, de Michel Chosudovski, bien connu. Vous trouverez le site de Kelia Ramarez, donc wrise4news.net. À l'heure où Bush brandit la menace nucléaire à propos de l'Irak, les États-Unis intensifient leurs recherches en matière de guerre bactériologique. Extrait par Kelia Ramarez. 15 janvier 2003. Au moment où j'établissais la connexion avec mon compte AOL, en ce matin du 11 décembre, j'y ai été accueilli par quelqu'un qui portait un masque à gaz et le titre, entre guillemets, « You gas us, well, nuke you ». Si tu nous gaz, on te nucléarise. Aussi douteux que cela pût être, le titre du West County Times était encore pire. Preemptive strikes a possibility, éventuel d'une attaque préventive. Traduction. Le titre de une du San Francisco Chronicle était même encore moins subtil. Bush doctrine, it first. La doctrine de Bush flinguait le premier. Et pendant que Bush menace l'Irak, les États-Unis sont quant à eux en train d'accélérer les recherches en matière de guerre bactériologique. Le gouvernement projette d'augmenter le nombre des laboratoires de Biohazard Safety Level, BSL, traduction niveau de sécurité bactériologique, 3 et 4 aux États-Unis. Les laboratoires de niveau 3 manipulent entre bien d'autres choses des souches vivantes d'anthrax, de botulisme et de peste bubonique. Les laboratoires de niveau 4 mettent des recherches sur toute une série d'organismes encore plus mortels tels que celui de la variole et du virus Ebola.
Selon Steve Erickson, le directeur de Citizens Education Project, donc son site est indiqué, citizensprojecttoutattaché.org, de Salt Lake City dans l'Utah, guillemets, cet accroissement du nombre des laboratoires relevant du département de la Défense et d'autres départements du gouvernement était déjà en préparation depuis un certain nombre d'années et date sans doute à peu près de 1993. Il est en tout cas certain que l'intensité et la vitesse de telles évolutions se sont fortement accrues depuis le 11 septembre 2001. Le dernier total que nous avons est d'environ 14 nouveaux laboratoires, entre parenthèses, ayant été proposés sur divers emplacements par un ensemble de 4 départements relevant directement du cabinet gouvernemental américain. Certains indices montrent aujourd'hui que le National Institute of Health, NIH, va faire machine arrière en ce qui concerne les laboratoires de niveau 4 de sécurité bactériologique, mais qu'il va en même temps retrouver des laboratoires de niveau 3 et peut-être même en construire de nouveaux. Le département de l'énergie, DOE, veut construire une installation de niveau 3 au sein de son laboratoire de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Alors, si le son n'est pas bon, ceux qui sont connectés en direct, ils peuvent le signaler. Merci. Le 16 décembre, le DOE a publié l'évaluation définitive d'impact environnemental d'un plan de construction d'un laboratoire de niveau 3 au sein du Lawrence Livermore National Lab, LLNL, avec leur site dans la banlieue de San Francisco. C'est un avis d'impact non significatif que le DOE a publié concernant la construction de cette nouvelle installation. En plus de cela, Lawrence Livermore du LLNL prévoit de devenir partenaire du développement du Western National Center for Biodefense and Emergency Disease, maladie, entre parenthèses, une installation de niveau 4 de sécurité bactériologique destinée à l'Université de Californie à Davis. Les jeunes, s'il vous plaît, vous pouvez nous mettre. On est en direct sur Internet. Pourquoi implanter des laboratoires de microbiologie de haute sécurité sur des sites nucléaires tels que Los Alamos et le LLNL? On pourrait penser que la réponse toute prête est que dans les laboratoires du nucléaire, il y a déjà des mesures de sécurité pour parer à toute éventualité d'accident ou d'attaque terroriste qui menacerait la communauté. Quand j'ai pourtant posé la question à John Bellardo, le directeur de l'Office of Public Affairs of the U.S. Department of Energy's National Nuclear Security Administration, putain, il n'y a pour autant pas vraiment voulu en convenir. Il a la place de se... Il a à la place de cela... Oh, quelle syntaxe. Et après une longue pause, déclaré « Le fait d'implanter cette installation de niveau 3 de sécurité bactériologique de Lawrence Livermore National Labor ne pose aucun problème apparent. Toutes les éventuelles conséquences ont été examinées dans l'évaluation d'impact environnemental et on a établi qu'il n'y avait pas lieu de craindre une menace potentielle ou quelque nuisance excessive, que ce soit en ce qui concerne la santé humaine ou l'environnement. Excusez les ongles gras du pouce, mais c'est les noix. On en est à l'époque des noix, donc les bocs des noix, ça teinte grave. Ce n'est pas de la crasse. Bellardo a également indiqué qu'un contrat avait été passé pour la construction d'un bâtiment préfabriqué destiné à abriter cette nouvelle installation. Les travaux devraient être achevés à la fin de l'été
et au début de l'automne, ou au début de l'automne 2003. La vraie raison de l'implantation d'un laboratoire de microbiologie de haute sécurité au sein d'une installation de recherche nucléaire pourrait être d'esquiver les protocoles de surveillance. Ah bon ? Parce que les laboratoires nucléaires ne sont pas sous la haute surveillance ? Ben dis donc. Les États-Unis, c'est un moulin. C'est même plus un moulin, c'est des courants d'air pour ça qui se gèlent en été. Ils ont des chutes de neige. Là, on comprend mieux maintenant. Le professeur Barbara Halsch Rosenberg, la présidente du groupe de travail sur les armes bactériologiques de la Federation of American Scientists, le site machin, a déclaré que, guillemets, quand on mène des recherches sur différents types d'armes au même endroit, cela implique que s'il y a la moindre surveillance ou enquête d'une sorte ou d'une autre pour un type d'arme donné, une telle chose risque d'être dangereuse pour des informations classifiées concernant les autres types d'armes. C'est là une des raisons pour laquelle ce gouvernement se pose fréquemment à toutes sortes de surveillances. Et ceci est également une des raisons pour lesquelles les recherches concernant différents types d'armes, plutôt que de s'entasser toutes aux mêmes endroits, devraient être menées sur des sites distincts. À l'heure où George Bush, W. Bush, oblige les Irakiens à mettre à nu tout ce qui concerne leur programme d'armement, quelles horreurs bactériologiques le gouvernement américain est-il lui-même en train de nous concocter dans le secret de ses laboratoires ? Sécurité et secret, ce ne sont pas des synonymes, hein, commentaire de Mézig. Trois autres développements récents sont dignes d'être également signalés ici. Le 19 juin 2002, MSN a rapporté que les scientifiques se préparaient à une épidémie mondiale de grippe qui pourrait débuter en Chine et provoquer des millions de victimes. Le 19 juin 2002, hein, les compagnons. Citant un rapport de la National Academy of Science, MSN a averti qu'on assistait souvent à l'apparition de souches rares et mortelles du virus de la grippe et que celle-ci avait muté d'un point de vue génétique, apparemment d'elle-même, ce qui les avait rendues encore bien plus mortelles. Il n'est pas question s'ils se transmettent à l'homme, sinon le monde sera confronté à un très très gros problème. Si l'on en croit MSN, qui cite le chercheur Robert J. Webster, un PhD, donc un PhD c'est c'est 28. Oui, mais ils disent pas quoi ça correspond. Un professeur, oui, mais ils disent pas. Donc le seul petit explication qu'il y a, entre parenthèses et ouvrez les guillemets, le virus mortel change de peau, élément d'une épidémie mondiale de grippe qui se prépare en Chine. Fin de guillemets de parenthèse. Donc tiré de MSN Health du 17 juin 2002. Moins d'un mois plus tard, la BBC rapportait que des scientifiques britanniques avaient réellement fabriqué un virus ex nihilo en laboratoire. Un résultat qui s'apparentait au premier virus synthétique, entre guillemets. L'article rapportait également que le chercheur avait utilisé une séquence de gènes propre à la polio pour le fabriquer. Donc il n'est pas ex nihilo. Il faudrait savoir. Hein. Pourquoi ? En deux jours plus tard seulement, l'agence Reuters rapporta que plus de 900 écoliers chinois avaient été envoyés d'urgence dans plusieurs hôpitaux souffrant de graves effets secondaires dus à une vaccination contre l'encéphalite. On allait pouvoir constater sur le front de la guerre bactériologique des développements tantôt pleins d'espoir,
tantôt inquiétant, avec la condamnation officielle du programme de vaccination antivariolique et la survenue du SRAS. Tous deux étaient liés à ce qui apparaissait à l'époque comme le premier signe du déclin de la dynastie Bush, un changement de régime destiné à faciliter la sauvegarde de l'Empire. Il était bien optimiste, ce brave Rupert, martyr de la vérité. Hommage. Chapitre 30. L'ordre de bataille. Cette guerre, si elle devait survenir, est destinée à marquer l'émergence officielle des États-Unis en tant qu'empire mondial à part entière. Seul détenteur de la charge et de l'autorité du gendarme planétaire. Il s'agirait là du point culminant d'un plan dont l'élaboration aura demandé 10 années, voire même plus, sûrement, plus que cela. Ourdi par ceux qui pensent que les États-Unis doivent saisir n'importe quelle opportunité de domination planétaire au risque de devenir ces impérialistes américains, entre guillemets, que nos ennemis nous ont toujours accusés d'être. Impérialiste, pour mémoire, n'est pas étymologiquement connoté négatif. C'est neutre. On peut être impérialiste du bien. Fin de commentaire. Une fois que l'on a compris cela, d'autres mystères se résolvent d'eux-mêmes. Par exemple, pourquoi l'administration ne semble-t-elle pas se préoccuper le moins du monde d'une stratégie de retrait une fois que Saddam aura été renversé? Parce que nous n'avons pas l'intention de partir. Réponse. Jay Bookman, Atlanta Journal Constitution du 29 septembre 2002. Donc c'était extrait d'un article. Un mois après les attaques du World Trade Center, j'ai indiqué à mes lecteurs, et je me suis exprimé dans ce sens au cours des diverses interviews radio dont j'ai été l'objet aux États-Unis, que la guerre qui avait commencé ce jour-là, une guerre dont Dick Cheney nous disait qu'elle ne se terminerait pas de notre vivant, et encore moins du sien, serait une suite de campagnes successives destinées à contrôler les dernières réserves de pétrole et de gaz disponibles sur la planète. Il s'agit là d'une affirmation qui a reçu plus que sa part de confirmation. Il vous suffit d'un coup d'œil pour voir toute l'histoire. Examinez simplement une carte du monde où apparaissent les réserves les plus importantes de gaz et de pétrole. Jetez ensuite un œil aux endroits où l'armée américaine a été la plus active depuis le 11 septembre. Avec tous ces éléments placés face à vous, tâchez de vous rappeler les divers prétextes avancés par le gouvernement américain pour les guerres successives qu'il a menées ou amorcées au cours de cette même période. Un exercice propre a suscité un certain nombre d'émotions. Vous ne trouvez pas? Quelle heure? C'est bon? 45. Encore 10 minutes. Parce que là, je vois qu'on sort du champ de la problématique bactériologique pour entrer dans celle de l'énergétique, dont est la thématique principale, puisque c'est le sous-titre de son ouvrage, à ce brave martyr Michael C. Rupert, dont je vous rappelle qu'il était capitaine du FBI dans la branche stupéfiant à Los Angeles, et lanceur d'alerte intramuros de l'officine du FBI, donc il n'hésitait pas à faire le coup de gueule face à ses adversaires. Je suis en attente de recevoir la suite de la première brochure qui a été ma première lecture sur la thématique virale. Et
jeudi prochain, ça devrait être bon. Jeudi prochain, on fera l'émission radar normale. On fera l'émission radar normale. Et donc, c'est jeudi. Ça sera dans 15 jours. Oui. Dans 15 jours, pardon. Et de nouveau dans un endroit intérieur où les conditions seront meilleures pour la diffusion. Merci de nous faire de retour pour les critiques pour avancer le public. Et comme dire d'autres, si tu veux un commentaire ou quelque chose qui est apparu sur le site de Radar, des remarques, non, il n'y a rien. Donc tu poursuis l'émission dans 15 jours. Oui, dans 15 jours. Donc on peut l'apprécier plus parce que j'aimerais éviter de faire trop de commentaires sur un sujet hautement scientifique n'ayant pas la compétence. Je n'ai que lecture vulgarisatrice, une réflexion, pardon, vulgarisatrice sur tout le champ politique qui inclut, comme beaucoup de gens, même des anards patentés, avec l'expérience, ils ont dit que tous les champs sociaux sont inclus dans le politique, tous, sans exception. Donc, le mot fédérateur sur lequel on peut développer toutes les problématiques sociales, scientifiques, historiques, culturelles, tout, c'est politique. Hein ? Police, je vous rappelle le sens étymologique du mot politique, ce sont les affaires de la cité. Alors bien sûr, si vous êtes ermite ou antisocial, mais à partir du moment où vous êtes citoyen, que vous payez vos impôts directement, virtuellement, vous êtes impacté et comme disent les punks, no one is innocent. Et vous êtes participant, collaborateur des affaires de la cité. Donc il n'y a pas d'échappatoire. Là, il faut monter au créneau, chacun avec ses analyses dûment sous-pesées, objectivement, en ayant fait ses recherches et ses analyses pour ne pas préfet du temps et influencer bêtement les autres citoyens. Voilà mon point de vue en tant qu'anarchiste et bonne recherche et aux armes citoyens, peu importe vos armes, car il y a le feu dans la cité, il y a le feu dans la démocratie. Merci, à dans 15 jours.